Bon allez, réunion les mecs. On va faire une petite réunion parce que là, il est l'heure de se réveiller. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Oh, ça va, eh. On peut très bien rester une minute ou deux de plus au lit. C'est bon, c'est pas si grave. D'auteur, on n'est jamais hyper précis. À chaque fois, on arrive même en avance pour les cours, alors... Oh oui, on va rester au lit, c'est trop bien. On va partir une petite sieste et faire de beaux rêves, oui. Non mais ce que je veux dire c'est que ce serait peut-être mieux de... Non, alors pas dormir hein, mais je veux dire faire autre chose quoi, parce que si on dort, ça risquerait d'être en retard. Oh sinon ce qu'on pourrait faire, c'est aller regarder sur les... sur Facebook, YouTube, ce qu'il y a de nouveau. Oh ça peut être pas mal ça. Non mais je pense qu'en vrai il vaudrait mieux que qu'on se réveille là. Parce que là, vu l'heure qui passe, le temps qu'on discute... Allez, on y va, c'est mieux quand même. Bon d'accord. Dommage, c'est avant le quart, au fond que j'y aille là. Oh putain. Oui, dis-moi, je fais une attaque. Et dis-moi ma cave. Oh. Oh mon dieu, c'est terrible. La dame, elle fait des crises cardiaques, il faut la sauver. Eh bien non, car vois-tu, là, nous sommes en période coronavirus. Alors, il ne faut pas la toucher. D'accord? Faut pas la toucher, faut pas lui parler, rien. Sinon, on peut lui transmettre le coronavirus et elle va mourir encore plus vite. Non, faut pas la toucher. Oui, mais là, elle risque quand même de mourir très vite, hein. Et dans votre souffrance, hein, quand même. Une crise cardiaque, tout de même. Ce n'est pas nos affaires. Là, on doit aller faire les courses. On n'a pas le choix. Bon, ok, boss. Bah, du coup, on va aller faire les courses. Oh non, je ne le dis pas. Bon ok, alors là le tout c'est de rester bien concentré pour suivre le cours. Je sais que sans vidéo c'est compliqué, mais il faut continuer. Oh c'est trop mignon là, il y a les chèvres dehors, on peut les regarder. Bon, il faut suivre le cours j'ai dit. Faut rester concentré, zut. Mais sinon on pourra peut-être voir vite fait ce qu'il y a sur Facebook. Enfin comme ça, discrètement. Ça fait combien de temps qu'on suit le cours? Oh, 10 minutes! Il reste encore longtemps! Oh là là! Oui, mais il faut continuer à suivre, c'est comme ça! Bon, allez, on suit le cours maintenant! Bon, maintenant qu'on est aux courses, qu'est-ce qu'on va prendre? Oh, on n'a qu'à prendre des pépitos. Ah, c'est trop bien, les pépitos. Oui, mais il faut faire attention. Ça peut être très onéreux. Ça peut coûter cher, quand même. Là, les petits goûters, ça peut coûter bonbon. Il faut faire attention aussi, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait de l'huile de palme dedans. Huile de palme? Oh, je vous l'avais dit, il y a du palme, il faut pas en prendre. Oui, mais c'est très bien d'avoir un petit goûter qui fait plaisir. Et puis de toute manière, ça coûtera toujours moins cher que d'acheter des gâteaux bio. Parce que là, ça coûterait 27 centimes plus cher. Et franchement, c'est terrible. Ouais, bon bah d'accord, j'ai compris. On va donc prendre des... On va donc prendre ces pépitos. Allez, hop, on les prend. Oh, c'est l'heure du goûter. Allez, j'ai envie d'aller prendre du goûter. Oh, j'ai hâte. Oui, mais là, c'est pas encore l'heure. Il faut attendre. On finit à 17h. Je sais qu'il est 16h, mais... Mais je veux prendre le goûter. Oh, mon Dieu. Je sens que ça va être vite fait fatigant dans cette salle. Enfin, dans cette tête. Oh, c'est l'heure du goûter. Mais dis donc, on va pouvoir manger maintenant, c'est trop bien. Ah oui, en plus, t'as des pépitos, c'est trop bien, oui. Bah non, désolé, mais je te rappelle que là, avec le coronavirus, bah, on ne peut pas prendre le goûter en extérieur. Oui, mais là, c'est l'heure, et puis bon, il n'y a personne, à part la grand-mère qui est morte. On peut très bien prendre le goûter. Tu veux vraiment que l'on paye 135 euros parce qu'on aura enlevé le masque pour prendre le goûter?
Non. D'accord, bah du coup là on va. Bah du coup on rentre hein, pour prendre le goûter à la maison. Au revoir. Et voilà, fin de la journée. Bon ben les gars, je pense qu'il faudrait qu'on se décide parce que c'est vraiment bien qu'on fasse ce ménage là. Genre il y a déjà des moutons, il faudrait vraiment passer l'aspirateur. Oh ça va, et on peut faire ça plus tard. On peut très bien faire ça après le dîner ce soir, c'est bon. Ben oui, on pourra très bien regarder des vidéos sur YouTube, vu qu'on a le temps pour se détendre après le travail. Franchement ça pourrait être génial hein. Ou alors sinon ce qu'on pourrait faire, ben, ce serait faire un peu de vidéos, vu que c'est sympa de faire des vidéos pour se détendre après le travail. Non mais franchement, bon ok, une vidéo ou deux sur YouTube, et après on passe à l'aspirateur, parce que sinon ça va être un peu trop tard. Allez, on y va, on fait ça. Allez, maintenant tout ce qu'il faut, c'est ne penser à rien et dormir. Comme ça, on va bien se coucher. On ne peut pas faire un peu d'ordinateur ou de portable là, pour nous occuper un peu avant le dodo? Non, on ne va pas faire ça parce que sinon après, on va, parce que sinon à 23h on va encore être réveillé hein. Sinon j'ai une question comme ça, est-ce que les manchots ont des genoux? C'est quoi cette question là? Oh je sais pas, je viens juste penser à cette question là, on pourrait peut-être essayer d'y répondre, d'y réfléchir un peu. Bah non en fait, parce que sinon on va pas réussir à dormir, alors là pas du tout. Bah, du coup on fait quoi maintenant? Bah maintenant on va dormir, c'est tout. Oh mon dieu, c'est horrible! C'est quoi tous ces trucs là, je vois rien! Oh, c'est trop effrayant ce qui se passe! Bon, ben là, c'est bizarre, on dirait un peu le truc qu'on a vu sur la vidéo, voilà, il y a 2-3 heures là. Oh, c'est bizarre là! Mais les gars, vous êtes sérieux? Nous sommes en train de voler là! Nous sommes dans un rêve! Ouais, c'est vrai que. C'est vrai que c'est bizarre, ouais. On est dans un rêve. Là, c'est le moment de se rendre compte. Faut faire un rêve lucide, là, les mecs, là. Oh, ma da va capire chi ta va bene. Si tu la parla mi es americano. Quando sa fa l'amore sotto la luna. Come da bene un cave di I love you. Papa l'americano.